Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très très content de vous proposer cette vidéo. C'est tout simplement la première game de la Crypto Cup. Du coup, il y aura 5 games. Vous allez voir du très 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 lourd. Juste pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un maximum de pouces bleus. Objectif 5000 pouces bleus, bientôt les 70 000 abonnés. Et on n'oublie pas, comme d'habitude, le code créateur Cocteau dans la boutique. COQTO, majuscule ou minuscule. Bref les gars, majuscule ou minuscule, comme vous voulez. En tout cas, ça soutient énormément la chaîne. Bref, moi je vous souhaite un bon visionnage. Vous allez voir, c'était très stack. Si Froggy. Ok, ils sont en train de se fight en plus. Quoi? Attends. C'est Bad Sniper. Ok, c'est Bad Sniper qui spawn ici. Ok, ok. Oh, j'ai vu Floki aussi, il a fait un kill. Je sais pas où il spawn, Floki. Floki, je sais qu'il spawn à la flottille de base. Never, il fight tout, Never. Never, c'est quoi son spawn en duo? C'est ça. Attends, juste regarde si Bad Sniper. Bon, normalement ça devrait être bon, mais Bad. Oh! Attends. Oh, ok, ok. Nickel. Ok, bah. Kurak sortira vainqueur du spawn. En vrai, la Faconi, ils sont vraiment bien. Honnêtement, je. Ok, bah. Oh lolo. Faconi les a 1v2. Après, on va pas se mentir, le space 12 légendaire est vraiment trop fort. Hein. Dire que le space 12 de base est vraiment très, très, très fort. Ok, c'est MCS Popo. Ah. Qui est mort face à... Ok, car... Ok, il y a... Tac. Est-ce que c'est Fourier? Honnêtement, c'est Fourier, il a un space 12, hein. Il peut mettre vraiment des archi grosses balles, quoi. Après, en face, voilà. Voilà, en face, c'était Podasai et tout, c'était compliqué. Ah ouais, ça pardonne pas. Hein. Et Kaizen qui va prendre le kill. Kaizen qui est déjà à 3 kills, hein. Il est pas trop mal, hein. Arcanix il va essayer de fuir je pense, mais je sais pas s'il va y arriver. Hein. Ouais, je pense que malheureusement c'est... Non, peut-être pas. Quoi, ça vient de... Attends, ça vient de rire. Oh, il a... Hey, franchement, Arcanix il a vraiment de la chance. Hein. Honnêtement, Arcanix il a... Oh, il a tellement de chance. Oh, c'est Bad Sniper en plus qui vient de rire. Ah non, c'est... Non, Bad Sniper qui vient de réapparaître, je crois. Parce qu'il était mort tout à l'heure. Ah oui, c'est qu'il n'y a pas de bus à Floki. Ah, Floki a. Ah, comment s'appelle déjà? Ah, la flottille, my bad. C'est juste que Floki spawn là-bas. Mais je suis faire la prochaine game. On était 49. Je pensais qu'il avait le Discord, moi. Ok, là. En vrai, la Kaizen, il va aller fight, c'est normal. Hein. Après, là, il est en face de deux gros joueurs. Ah, malheureusement. C'est Kura qui est tombé, hein. Attends, quoi? Ah non, pas du tout! Attends, quoi, Kaizen? Oh là là, non, Kaizen, tu peux pas... Attends, quoi, Kaizen, il vient de perdre contre... Mais ils avaient pas de stuff, Bah, Bad Sniper, ça les remet... Bah, ouais. Forcément, Bad Sniper, ça les remet tellement bien, mec. Bon, ils sont tranquilles, hein, ils ont... Bah, ils ont un très bon stuff. Là, honnêtement, là... Pouah, il a... Pouah, il a tellement de stuff, mec. 4 poissons, 6 mini, 6 splash. Il est tellement bien. On peut faire... Les prochaines games. Ouais, ouais, si tu veux. Ok, nice. Il vient de tuer safe. Ah, malheureusement, il se fait piocher. Hein. C'est Laizen en plus. Ouf, malheureusement. Laizen qui a fait qu'une bouchée de Xoxo et de Didra. Ok, ils ont un stuff. Voilà, ça doit, ils doivent pas spawn sur un gros spawn, mais ils ont la hauteur en vrai. Ils peuvent peut-être tenter une tête sur Nate. Et il y a un seul mec qui prend la Storm Surge. Un seul. Je serais curieux de savoir qui c'est. Je trouve qu'ils sont... En vrai, honnêtement, ils sont améliorés Fortnite. Hein, parce que... À l'époque, le mode Ops... What? Attends, c'était Nekoz et Clément, là? Ah ouais, Nekoz et Clément qui... je sais pas comment ça s'est passé, mais en direct, s'il est rentré dans la box, il les a laser à l'air. Hein. Un peu après, hein. Ok, on voit SPK qui vient de faire un kill sur Footfrag. Un joueur de chez Driggs. Ok, viens, il va le terminer. Alors Nate, je sais pas où il est Nate. Ok, il arrive. Il rejoint un petit peu plus loin derrière. Ouh. Le high, alors je peux vous mentir, le high, je n'ai pas de double pov les amis. Donc eux ils sont au-dessus de la storm, tranquillement. Nate qui est derrière. En vrai ils sont pas trop mal, ils ont quand même du build. Ils vont peut-être tenter le high à un moment. Peut-être qu'ils vont essayer de jouer le grand, je sais pas.
C'est des... Peut-être... Attends, on va regarder vite fait s'ils ont encore le high. Non, DRG, SPK, ils ont plus le high. Je pense qu'on va rester sur une pause, que changer tout le temps, c'est un petit peu pénible en vrai. Là, on va peut-être déjà avoir un meilleur visu. Qui c'est qui a ce... Oh là là, KZX qui avait absolument rien. DRG qui fait encore un kill. Oh, franchement, DRG, ils font vraiment une bonne game aussi. Andilex qui. Ah, mais d'accord, mais la kill feel a masse retard. Alors, Blaster, ils sont encore en vie avec Alpha. On voit qui est en dessous là. On voit du Nyx. On voit du Oh. Never. Never, je sais pas s'il est encore en vie avec Kishu. Il reste encore de très beaux duos. Hein. On voit, il y a UMS et le high, il est. Le high, j'arrive pas à savoir qui c'est qui l'occupe. Hein. Bon, il faut aller voir du côté d'Alpha, parce qu'on les a pas regardés de la game, ils sont plutôt bien aussi. Mais ils ont 0. Non, ils ont encore du build, mec, ils ont 500 de build. Hein. Et là, on dirait qu'ils sont en train de spam. Oula, on va retourner là-dessus là. Merde, ça c'est Never qui a encore envie avec Kishu d'ailleurs. Ok, Andilex. Andilex, Nate qui vient de mourir. Oh, belle balle sur Kura, le mate à Bad Sniper. Donc lui, c'est pas un francophone pour le coup, Kura, c'est un angle, c'est un mec, c'est un EU, je crois, il me semble. Andilex qui est bien. Ils ont 6 kills. Hein. Et là. C'est qui ça? Je crois que c'est Zobir, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah là, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Et non, c'était Marvin. Ok, c'était Marvin. Ok, on va regarder Never. Hein. Never qui est encore en vie. Never qui. Ah. Never qui malheureusement va tomber. Sloan qui va mettre une grosse balle à qui? Ah, c'était Blaster. Oh, les mecs qui ont le high depuis tout à l'heure, vraiment, je sais pas qui c'est, mais ils font que spam, vraiment. C'est abusé. Sloan et Laizen, ok, c'est le duo à Laizen. Et c'est du... ok, ils sont top 3. Il est très très bien en build. Oh, et c'était Sindel. Sindel et Tercho qui ont fait un top 3, hein. Plutôt pas mal, je sais pas s'ils avaient beaucoup de kills. Et là c'est du 1v2 donc ça va quand même être très compliqué honnêtement. Je sais pas du tout qui c'est qui sont au-dessus. Oh attends. C'est peut-être que du 1v1 hein, j'ai l'impression. Hein. Et c'est Marcotte il me semble. Et c'est un 1v1 Marcotte Veslon. Et les gars, c'est Laizen. Laizen qui fait top 1 les gars. Laizen qui a... Mais j'ai pas compris, Marcotte... Enfin, Hunter, il est mort comment? Vous allez voir, normalement, c'est un... Voilà, c'est un... les gars, c'est un nouveau système qui... Voilà, pas besoin d'envoyer tout. Ça se fait tout avec le code de PP, vous voyez? Hop là, c'est ultra... Enfin, vraiment, c'est... War Legend là-dessus, ils ont vraiment été cool. Donc, vous voyez, Laizen, ils ont fait quoi? Ils ont fait top 1 10 kills avec Slow. Enfin, Slow qui a fait top 1 10 kills, plutôt. Faut que j'arrête de dire Laizen. Mais j'avoue que quand je connais pas, je dis toujours le... Pardon. Never Say Yes qui est deuxième. Qu'est-ce qui se passe dans cette Cocteau Cup? C'est invraisemblable. Ensuite on a qui? On a Bad Sniper, attendez vous voyez peut-être pas très bien vous. Bad Sniper et Kura qui sont 3ème. Marcotte Hunter qui ont fait un top 2, 3 kills. Andilex Knight qui sont 5ème. Tercho Sindel qui sont 6ème. Bref, je vous laisse regarder. Pour ceux qui veulent voir, je vous envoie le lien dans le chat. Du coup les potes, que vous l'avez vu, c'est la fin de la première game de la Cocteau Cup. Honnêtement, il y avait du très très lourd, des très gros joueurs comme vous l'avez vu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y aura une game par jour quasiment. Donc voilà, ce sera peut-être pas tous les jours une game, mais je pense que dans 2 semaines, on aura totalement fini grand max. Parce que demain, il y a la DreamHack, donc il y aura peut-être des résumés de DreamHack. Bref, abonnez-vous, lâchez un maximum de pouces bleus. C'était Cocteau, ciao!